J'ai réfléchi un bon bout de temps, pendant plusieurs jours, et vu que je fais du vélo moi-même et que je vais tous les jours à l'arrêt de bus à vélo, bah, je me suis dit que ce serait cool de faire autour de ce thème-là. Et j'ai réfléchi et j'ai trouvé cette idée, bah, justement, je trouvais assez cool de pouvoir revenir en arrière. Et donc j'ai fait autour de ça. Alors j'ai pris plusieurs jours d'abord à réfléchir à cette idée, ensuite à faire un scénario. Ensuite, ben, j'ai fait quelques plans, j'ai recommencé plusieurs fois pour avoir vraiment les meilleurs plans que je pouvais avoir. Et après, ben, j'ai fait du montage. J'ai essayé au début, ça m'a pris un bon bout de temps. J'ai jamais fait ça auparavant. Puis je pense que en tout, ça m'a pris plusieurs jours. Alors, pour le matériel, j'ai utilisé un appareil photo que j'avais. Donc, c'était pas une caméra, mais ça a quand même fait des images de plutôt bonne qualité. Et après, pour le montage, ben, j'ai réalisé un montage avec un logiciel de montage payant. Au début, j'avais pris la version gratuite. Et puis à la fin, je m'en suis rendu compte que c'était mieux que j'investisse quelques dizaines de francs dans un montage payant. Et voilà. C'est mon voisin qui m'a envoyé un message et qui m'a expliqué le concours. Et donc, ben, j'ai participé. Ouais, j'aimerais bien refaire cette expérience l'année prochaine et de nouveau y participer à ce concours.